Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle, ce nouveau live de lecture des statues. Euh, je, on est dimanche, il est 18h10 et nous sommes le dimanche 24 octobre. Euh, comme euh, comme, euh, comme euh, j'ai l'habitude de le faire euh, dans cette, euh, sur cette chaîne, je vais lire des statues aujourd'hui. Euh, j'ai vu les statues d'Horizon qui ont été publiées. Euh, par contre, j'ai un énorme problème. J'arrive pas à régler mon... <laughs> J'arrive pas à régler mon live. <laughs> C'est juste l'horreur, en fait. Je suis en train de galérer pour, euh, pour le régler. Et je sais pas comment ça se fait qu'il ne il veut, veut rien savoir là, en fait. Il, il est juste en train de me faire chier. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je suis en train de me, de me faire chier. Voilà. Donc là, ça ne marche pas. Donc vous ne voyez pas, mais en fait, je suis en train de galérer avec une... Euh, à essayer de régler une, une vidéo euh, pour faire en sorte que ça apparaisse proprement. Euh, ça m'énerve. Et euh, salut Mindbreak. break. <laughs> ça me saoule, ça me saoule. Euh, je voudrais je modifier... Modifier la taille. Du coup, je ne sais pas si ça va marcher, ça. 100. Non, ça ne marchera pas. 200 par 100 super alors je sais plus à combien j'étais <laughs> euh, 300 par 250 c'est quoi déjà le ratio euh, ce que je, je devrais faire du 1920 par euh, c'était 1920 par euh, 16 neuvième donc c'est du 16 neuvième euh, il va falloir que je calcule le truc pour que ça apparaisse pile comme il faut c'est un peu galère hein. là je suis en train de galérer alors euh, hop, hop. Je, je vais y arriver, ne hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais... Je, sais. <laughs> euh, pff, 300, je vais faire du 320. 320. Donc c'est du par 20. Euh, du coup... 320 par 180 ça devrait marcher ouais c'est pas tout à fait ça encore j'ai l'impression que ça fonctionne mais je suis pas sûre. donc je, je vais on va, on va partir sur ça c'est quoi le voilà c'est ça non ça veut pas hein. j'y arriverai pas j'arriverai pas à bouger ma caméra ah, ça y est. c'est quoi le ratio euh, que j'ai sur un un ordinateur, vous savez pas, vous, vous, vous allez pas m'aider en plus. Je, je galère. Je galère comme une, comme une débutante. Avec un truc qui fonctionne pas. Ça m'énerve. Transformer, modifier. Par de son... 16ème c'est le ratio habituel, ouais mais ça marche pas ça marche pas j'ai l'impression que ça marche pas Et euh, en plus c'est tout moche bon On va faire comme ça Je vais être un peu allongée aujourd'hui <laughs> C'est pas grave tant pis tant pis tant pis tant pis euh, j'ai l'impression que mon, mon Streamlabs là il, il veut plus rien savoir. Il, il, il m'a complètement abandonné. Et salut grand froid. Bah en fait, voilà, je vais vous montrer, parce que voilà. Là, j'ai ma caméra qui est là. Et euh, j'arrive à rien faire, en fait. Il, il veut rien savoir. Je ne peux, je peux, je peux plus rien faire. Je peux plus changer les les, les... les tailles. Ah si là, ça y est, je peux. Ça, ça apparaît à un moment. Oh ça apparaît mais vraiment c'est compliqué. Hein. Je sais pas pourquoi mon Streamlabs il est en train de planter complètement. Déjà, il a du, du mal à se lancer. Alors du coup j'ai essayé de régler le truc. Il a du mal à se lancer déjà au départ. Et puis euh, là maintenant, il ne veut plus rien savoir. Euh, du coup, <laughs> coup j'arrive plus à sélectionner les trucs. C'est super. Alors attendez, je voulais les, euh, le chat. Non, je pensais, je pensais allez, c'est bon, je lance et tout. Puis en fait. Euh, je, 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 je lance que dalle, en fait, c'est le truc qui veut rien, rien ne fonctionne, ça m'énerve. Je vais essayer de faire ça proprement, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà, bon. Euh, ouais, mais je peux reset les proportions, mais le problème, c'est que si je fais ça, ça va mettre la, la caméra super large et euh, je, je galère à retrouver les... Comment ça s'appelle Vous savez, les... les, les la, la flèche qui, qui, euh, qui élargit ou pas, elle n'est elle est pas euh, sur le bord en fait, enfin voilà, bref, ça ne marche pas, <laughs> sachez que ça ne marche pas, bon c'est pas grave, je vais rester comme ça, ça va être très bien, et je vais continuer, euh, je vais reprendre, enfin euh, je vais même euh, commencer ce live. Avant de commencer mes lectures, donc là sachez que je suis... je plus 6, le réglage dans le coin, ouais, ouais, ah oh, putain... Ouais, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche quand ça veut en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça marche quand ça veut. Tu vois là, ça... hop, ça a un peu marché, je suis un peu plus petite. Bon, avant de commencer, donc j'ai euh, le chat, <laughs> tu veux bien m'abandonner euh, je, voulais, je voulais faire une petite revue de bouquins que j'ai lu avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et de vous faire lire ces, enfin de lire ces statuts avec vous, parce que je sais que vous êtes tous très impatients de découvrir les statuts de Horizons, donc le parti de Edouard Philippe qui a été lancé il y a pas longtemps. Mais avant de commencer, je voudrais faire un peu le tour des livres que j'ai lus depuis la dernière fois que je suis passée sur ce, ce live, sur cette chaîne. Donc je vais reprendre ma scène principale avant de, de, de partir dans le vif du sujet et je vais vous montrer les, les couvertures de ces bouquins. Pour euh, Bonjour Braxpo et euh, bienvenue sur euh, bienvenue sur le chat. Ça me met les premières fois sur le chat, c'est marrant. Euh, donc euh, j'ai un, un Jack Sparrow euh, de Laurent de Sutter, en fait. Laurent de Sutter qui a écrit deux bouquins que j'ai lus là, ré récemment, donc Histoire hors la loi, théorie de l'anarchie juridique, voilà. Qui, euh, qui est un livre euh, assez intéressant euh, sur... Euh, euh, sur effectivement le, la loi alors c'est pas à proprement parler sur l'anarchie mais c'est sur la loi euh... <laughs> c'est sur la loi euh, de, euh, sur la loi globalement et sur le fait de ne euh, pas forcément respecter la loi et euh, le deuxième livre c'est Jack Sparrow manifeste pour un linguistique pirate et alors là, j'ai été un peu déçu. Alors autant celui-là, je le trouvais un peu intéressant, enfin assez intéressant, sachant que Laurent De Sutter est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Euh, donc euh, Or la loi était un livre assez intéressant globalement. Puis euh, Jacques Sparrow, je m'attendais à quelque chose un petit peu plus... Euh, comment dire euh, linguistique manifeste pour la linguistique pirate je m'attendais à quelque chose d'un peu plus profond et j'ai été assez déçue parce que c'est finalement assez euh, euh, simple euh, peut-être même trop simple et, euh, et ça survole le, le sujet mais ça ne va pas très très loin et ça m'a vraiment un peu déçu euh, non <laughs> c'est pas non c'est pas les statues d'horizon <laughs> Non, on n'est pas là pour ça, Caribas. Mais euh, on est là plutôt pour faire de la politique. Mais c'est pas grave. Je, si tu veux, tu peux t'en aller. Hein, ça, me, je t'en voudrais pas trop. C'est joli des statues, moi, ici. Donc ensuite, j'ai lu un autre livre qui s'appelle De la laïcité euh, de Patrick Veil, De la laïcité en France qui euh, est un livre très intéressant que je vous euh, recommande vivement pour euh, reprendre les bases de la laïcité, et comment fonctionne la laïcité française et euh, qu'est-ce que euh, signifie euh, la laïcité exactement telle que votée en 1905 et telle qu'appliquée depuis. Et euh, peut-être que ça vous permettra de voir qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont été mises euh, en place euh, depuis 1905 et que finalement, euh, bon, la laïcité est un concept qui est plutôt euh, traditionnellement de gauche, euh, qui aujourd'hui est plutôt porté par euh, la droite, alors qu'à l'époque, c'était plutôt la droite qui était fermement opposée à la laïcité. Euh, ça reprend l'histoire et ça reprend plein de petites histoires aussi de notre quotidien, de notre, de notre présent. Et en même temps, bon, il y a peut-être parfois un peu des amalgames qui sont faits qui ne me plaisent pas trop. Mais, euh, mais euh, globalement, c'est un livre assez intéressant qui est euh, plutôt complet. Et, euh, et Patrick Veil explique très bien le, le principe de laïcité euh, euh, à travers ce livre et, euh, et rappelle les, les bases fondamentales de, euh, de, de la laïcité. Donc je vous le recommande vivement. Et, euh, et voilà, Enfin, je peux pas plus à dire là-dessus. Enfin. J'en ai parlé la semaine dernière dans une émission que je fais maintenant pour le Parti pirate euh, sur la chaîne du Parti Pirate, donc la chaîne Twitch du Parti Pirate qui est suivie par un tas de personnes. <laughs> et euh, sur euh, YouTube aussi, et sur, euh, et sur euh, Twitter aussi, et sur Facebook aussi. Donc toutes les semaines, vous pouvez me retrouver le samedi de 14 non, de 16h à 18h, donc juste après l'émission de Farristoner de 14h à 16h. Euh, de 16h à 18h, à partir de il y a deux semaines, du coup, euh, j'ai commencé une émission qui s'appelle dérive et Tours qui euh, entre dans l'histoire euh, du, du la longue histoire d'amour euh, des pirates et des calembours <laughs> donc dérives et des qui euh, est une émission euh, qui me permet de digresser mais euh, sur des sujets euh, éminemment politiques euh, qui euh, touchent de près euh, le parti pirate donc je vous invite à me retrouver tous les samedis dorénavant euh, de 16h à 18h sur la chaîne du parti pirate. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a envie de mettre le lien, moi je peux le mettre. Je pense que. Ah, <laughs> je, dois mettre, je dois dire OK, d'accord, pour taper dans mon chat, c'est marrant. Alors, ouais. http.//twitch. Je crois que c'est comme ça, hein. twitch.tv/partie pirate, hein, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Écoutez, si ça fonctionne, tant mieux. <laughs> Donc voilà et euh, donc j'en parlais il y a deux semaines parce que je l'ai reçu il y a deux semaines et je l'ai lu depuis euh, donc c'est le troisième tome enfin la troisième partie donc le quatrième tome de euh, la réécriture de Spirou par euh, Émile Bravo. Euh, qui euh, s'appelle L'Espoir Malgré tout et qui est une histoire euh, très très belle euh, de Spirou, qui est euh, écrite euh, par Émile Bravo, dessinée par Émile Bravo, et Émile Bravo étant mon auteur de BD préféré de tous les auteurs de BD préférés que j'ai euh, depuis super longtemps. Euh, ce livre est une petite perle, encore une fois, à offrir à tout le monde et à mettre entre toutes les mains. Euh, enfants comme adulte enfin bien sûr à partir d'un certain âge, quoique finalement c'est plutôt euh, plutôt très accessible hein, pour, pour les très jeunes aussi, enfin pas très très jeunes, mais euh, il faut savoir lire évidemment, mais euh, à partir de 7 ans je pense, euh, de 7 à 77 ans comme on aime dire, en tout cas enfin euh, même de, <laughs> de 9 à 99 ans pourquoi pas, même après. Hein, euh, ça C'est un, une très belle histoire, c'est à la fois triste et drôle, euh, comme Émile Bravo sait le faire, il sait nous faire passer du rire aux larmes d'une case à l'autre, c'est assez, euh, assez parfois assez difficile. Euh, mais assez déstabilisant, et donc euh, je, je vous invite à le lire et euh, à l'offrir même, euh, parce que c'est quand même un beau cadeau, euh, c'est un beau livre. Hein, euh, et il euh, y en a quatre comme ça, et il y en a un cinquième qui devrait paraître dans pas très longtemps. Et j'ai tellement hâte parce que l'histoire n'est pas terminée. Et à la fin, ça vous met à chaque fois sur un cliffhanger de ouf. Donc, euh, donc voilà, bon, faut, si vous n'aimez pas les cliffhangers, ne lisez pas ça. <laughs> vous attendez que tout soit sorti. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, les livres. Alors oui, il y en a un dernier aussi que j'ai lu et que j'ai adoré et que j'ai pris le temps de le lire euh, comme on prendrait le temps de, de manger une bonne pâtisserie euh, euh, parce que c'est vraiment une gourmandise euh, qui, 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 qui se lit très très vite. C'est l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique d'Elysée Reclus. Je l'ai découvert grâce à. Alors j'ai découvert. Élisée Reclus c'était l'idéal. Enfin c'était le héros d'un de, de mes anciens employeurs et, euh, et c'est euh, un ami euh, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, euh, Sylvain Cavalier qui euh, alias le débunker des étoiles qui euh, m'a conseillé vivement de lire des bouquins d'anarchie et euh, je suis tombée amoureuse d'Élisée Reclus <laughs> de la pensée d'Élisée Reclus parce que Reclus est morte donc enfin voilà mais euh, je suis tombée amoureuse de ce bouquin là qui est euh, une petite perle de l'anarchie est très, très intéressante. Euh, ça m'a fait comprendre que finalement j'étais anarchiste. Hein. Si, si j'en doutais, euh, maintenant je n'en doute plus. Euh, mais voilà, je, je vous le recommande aussi. Ça se dit très vite. Il est d'ailleurs gratuit. Enfin, euh, gratuit. Il est accessible sur Internet en PDF. Vous pouvez le retrouver assez facilement. Peut-être qu'on en fera une lecture, un de ces quatre. Peut-être, pourquoi pas. Après tout, ça peut être intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de punchlines très sympas euh, sur tout un tas de sujets différents. Et euh, il aborde vraiment tout. Hein. Il fait le tour de tout. Euh, il défonce tout le monde. J'adore ça. Donc euh, du coup, euh, pareil, je vous le recommande bonne lecture, très très bonne lecture celui-là, et euh, voilà, c'est plutôt euh, facile à lire, par contre ouais, j'ai mis du temps à le lire parce qu'il fallait assimiler toutes les idées qui sont présentées dedans et c'est intense <laughs> donc voilà, euh, ça c'était ma petite revue, je vais peut-être faire ça je pense à chaque fois que je ferai des lives euh, quand je terminerai mes bouquins avant, parce que j'ai plein de bouquins en cours là, de lecture euh, qui sont très intéressants encore et, euh, et euh, que, je pense, euh, que je pense que j'aurai envie d'en parler la prochaine fois euh... voilà et bah, sans plus attendre, euh, maintenant que j'ai bien réglé mon live et que euh, je vous ai dit euh, ce qu'il fallait lire euh, dans les prochaines semaines, <laughs> on va lire les statuts de Horizon. Ouais! <laughs> Donc, rappel des principaux titres, principaux euh, machin, rappel des précédents. Alors, je vais reprendre, euh, je vais quand même essayer de ré-régler mon image, <laughs> ça me fait chier. Euh, ça ça m'énerve en fait, ça m'énerve. C'est. Euh, re -re euh... <laughs> Bienvenue à Anakior TV. Et merci pour le follow. <laughs> Putain, je vais y arriver, je vais y arriver, hein. je vais y arriver, je vais y arriver. Et ça m'énerve en fait. Mais euh, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas là en ce moment, il, il me saoule un peu le truc là. Je ne comprends pas trop ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il me galère comme ça. Euh, pourquoi est-ce qu'il me merde Il me merde comme ça d'ailleurs. <laughs> C'est vraiment de la merde. Quand ça veut, ça marche. Quand ça veut, ça marche. Tu dis que c'était mage. Ah ouais, mais ça marche pas. Là, il, là, il me dit même pas. J'ai même pas les flèches. En vrai, j'ai même pas les flèches qui apparaissent. Je sais même pas comment euh, comment choper la la borne sur le côté là. Comment on appelle ça là Ah ah ah. Ah non c'est pas là. Ah ça y est j'ai trouvé. Ouais j'ai trouvé. Ah oui d'accord. Quand tu veux. Hein. <laughs> Moi j'arriverai pas à régler mon chat mon live je pense que ça sera, ça sera juste. C'était un bel essai une belle tentative. Ah oh, putain c'est pas vrai. Comment ça va sinon vous la forme? Vous avez passé un bon week-end, passé un bon dimanche. C'est dimanche aujourd'hui, il, il me semble. Ah, ça y est, j'ai chopé. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. C'est cool, tout va bien. Voilà. Oh putain, c'est pas vrai. Désolée pour euh, les gros mots. En même temps, ceux qui me connaissent savent que je dis des gros mots souvent. Bonjour! Le phare, comment ça va Le BS, c'est mieux que... Oui, bah oui, je sais bien, mais bon, j'avais envie de passer par Streamlabs aujourd'hui. Je vous risque. Euh, ça fait des ravages, ton emploi du temps, apparemment. Pourquoi ouais. Oui, c'est vrai c'est parce que du coup, oui, c'est vrai que le dimanche, c'est compliqué. Je me rends pas trop bien compte qu'on est dimanche déjà et qu'il va falloir que je reprenne le boulot de bain. Mais j'ai bien envie d'essayer de faire des lives en semaine aussi. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je devrais y arriver, je pense, au bout d'un moment, faire des lives en semaine. Ça finira par arriver. Ça viendra, peut-être. Alors, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est fait. Et voilà Je ne suis plus tout écrasée <laughs> <laughs> euh, alors, j'étais partie pour lire les statuts de Horizon, qui est donc, nous le disions, euh, le parti... Alors, je pense que si je tape juste Horizon, je vais avoir... Euh... Ah non, Horizon nouvelle offre politique. J'aime bien comment ils appellent ça nouvelle offre politique. C'est quand même drôle, quand même, comme, euh, comme, euh, comme façon de vendre le parti. Donc on a quand même le... ça apparaît en premier, donc ils ont bien 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 référencé leur euh, leur, euh, leur truc, hein, quand même. Hein très très bien représenté, euh, euh, référencé le truc. Euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment bien foutu. <laughs> donc euh, comment est-ce que le. On va d'abord voir comment est-ce que Wikipédia. Alors je, je vais pousser l'appel à dons de, de Wikipédia. Je vous invite à leur donner. Un peu d'argent, même si euh, je vous inviterai éventuellement à donner aussi un peu d'argent au Parti Pirate samedi prochain, probablement. Mais euh, je vous invite à donner un peu d'argent à, à Wikipédia parce que bah, ce qu'ils font, c'est euh, très bien et, euh, et c'est très bien de travailler euh, globalement euh, ensemble à ça. Euh, mais voilà. Donc, Horizon est un parti politique français fondé en octobre 2021 par euh, Edouard Philippe. Il entend faire peser oui. Oui. Vous l'entendez Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, loulou, viens ici. Euh, il entend faire peser l'aile droite de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron en vue d'un soutien à celui-ci pour l'élection présidentielle de 2022. Donc, euh, il, veut quand même, euh, alors, euh, il veut quand même soutenir Emmanuel Macron. Hein. C'est euh, un parti en plus de la République en marche, a priori quand même. Ce n'est pas seulement euh, euh, le parti d'Édouard Philippe. Je pensais que c'était le parti d'Édouard Philippe comme candidat à la présidence. Là, mais, euh, mais je ne pensais pas que c'était euh, le soutien d'Emmanuel Macron, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Bon. Il est présenté le 9 octobre 2021 au Havre par Edouard Philippe et un public de 3000 personnes quand même, quand même hein, dont 160 maires et 600 élus locaux, des représentants de partis, euh, des partis La République en marche, Agir, Modem, La France audacieuse. <laughs> La France audacieuse. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ça encore Pfff. D'accord, Christian Estrosi. C'est le micro-parti autour de Christian Estrosi. L'UDI et du mouvement d'élus locaux, la République des Maires, sont présents à ce meeting. Classé du, du centre droit à la droite de l'échiquier politique, Horizon affiche quatre priorités lors de sa fondation la démographie, l'environnement, la démographie, l'environnement, la géopolitique et la technologie. <laughs> Mais qu'est-ce qui t'arrive je ne sais pas si vous l'entendez. Non, vous l'entendez toujours pas. Euh, membres notable Édouard Philippe, Sandra Motin, François Jolivet, Christophe Béchut, Delphine Burkley, Arnaud Robinet, Hubert Falco et Gilles Boyer. Démographie de qui Je sais pas, ne euh, <laughs> sais pas la démographie de qui. Mais, euh, mais c'est bizarre quand même la démographie. L'étude quantitative et qualitative des caractéristiques des populations. Ah, c'est bien ça la démographie comme ça ouais. C'était peut-être la démocratie, non, non. C'est bizarre de dire la démographie. Oh, on va défendre la démographie. On va faire en sorte qu'il y ait plus d'habitants. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va aller voir hein, ce que c'est que. Donc on va pas aller voir ce que c'est que la France audacieuse parce que on s'en fout. Par contre, on va aller voir ce que c'est que Horizon. Oui, vous, vous entendez, petit chat. Et Loulou Tu viens Tu viens oui, 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 bah oui, tu viens là. Il a couru, il a couru comme un dératé pour venir faire un câlin. Oh oui, oh oui. Ah oui, c'est bleu, dis donc Ah j'avais pas vu Aïe, 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 tu me fais mal là Tu me fais mal. Ah, tu, tu me griffes là Tu me griffes là. Et tu veux pas te poser là Attends, juste détends-toi un peu. Calme-toi. Voilà. C'est bien. C'est un gentil chat, mais t'es collant. <laughs> Lâche-moi. Ah là 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 là, là. t'es tellement triste. Oh là là, t'es maltraité. Hein. Oh là là, oui. <laughs> Vous verriez en fait comment est-ce qu'il est posé. Alors, oui, c'est bleu, c'est du bleu, euh, bleu primaire. On dirait que c'est le bleu euh, du, du bleu quoi. Enfin, c'est bleu bleu. Comment ça se fait que c'est aussi bleu comme ça C'est pour le, ils sont dit ouais, on va faire quelque chose de bleu. C'est bizarre comme utilisation du bleu quand même non C'est un peu euh, non c'est pas très accessible, Sinon, ils écrivent en rouge sur bleu. Non. Alors, les cookies. non, merci. Donc, euh, pour l'inscription. Oh là là. Bleu... Ouais, c'est du bleu. Ah, mais... Pourquoi est-ce que... Ah, oh, c'est chiant là. Je vais ouvert Ubisoft encore. <laughs> oh, est chiant Ubisoft. Eh, hey, mais euh, ça va là, Ubisoft Tu te détends un peu Eh, Ubisoft, c'est vraiment de la merde. <laughs> Même euh, tout un tas de trucs qui font dire que Ubisoft c'est la merde C'est du bleu BSOD, d'accord. C'est 00204, ça fait très bleu, ouais. Oui, je suis d'accord, Grand Froid, c'est très très bleu. C'est trop bleu. <laughs> ouais, c'est trop bleu, on est d'accord. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parti C'est bleu. un parti bleu <laughs> On est des droites. Hein on est vraiment des droites. Hein <laughs> Qu'est-ce que t'en dis Bienvenue, qu'est-ce que t'en dis euh, ouais. Les choups sont moins bleus. Ouais, les choups sont un peu plus clairs d'ailleurs. C'est bleu, c'est quand même très bleu, très très bleu. Le manifeste. D'accord, d'accord, d'accord. Nous nous rassemblons dans un parti politique car nous croyons profondément à l'engagement et à l'action politique comme fondement de la démocratie. Nous pensons que la politique peut changer la vie des Français lorsqu'elle propose un constat lucide des enjeux et des lignes claires d'action. Euh, fidèles à nos valeurs, nous affirmons clairement à, et solennellement notre attachement au principe d'action exprimé dans la présente charte. Attachée au débat démocratique, nous pâtissons une nouvelle offre politique fondée sur l'ouverture et le refus du sectarisme. Soucieux avant tout de l'intérêt général, nous croyons au dépassement des clivages artificiels et au rassemblement de toutes les bonnes, ni droite ni, ni droite ni gauche, mais euh, à droite quand même. Et rassemblement de toutes les bonnes volontés au service du pays, dans le respect des différences et des sensibilités. Nous travaillerons avec toutes celles et ceux euh, qui consacrent leurs forces et leurs idées à imaginer un nouvel horizon pour la France. Ouh, ouh. Même les sont... Chansons... Oui. Salutations, Flymic, Comment vas-tu? Euh, ma théorie est que ça va nous faire un, une annonce après pour Horizon 5 genre dans 5 ans c'est autour d'edouard. c'est possible alors Horizon avec un S du coup il y a plusieurs horizons donc l'horizon euh, qui arrive et euh, l'horizon euh, plus lointain dans 5 ans du coup, <laughs> ni droite ni gauche mais bleu <laughs> c'est ça, ni droite ni gauche mi, mi, ni droite ni gauche ni bleu non, ni droite ni gauche mais bleu Voilà, c'est ça, je vais un peu réduire comme ça je vais voir ce que vous écrivez et en même temps, vous allez voir ce que vous écrivez aussi, hein, parce que du coup, ça réduit aussi sur le, sur le truc. C'est très bien comme ça. Alors, le fameux bleu centriste. <laughs> Nous défendons l'unité la cohésion de la France autour de ses valeurs et son histoire et de sa culture. Nous avons pour ambition de construire une stratégie globale pour la France afin d'assurer sa compétitivité. C'est quand même très centré autour de Édouard Philippe, ce que je trouve assez drôle, parce qu'ils sont censés soutenir Emmanuel Macron, donc c'est assez bizarre, mais euh, pourquoi pas ah, ça s'affiche au fur et à mesure Ah, ça s'affiche au fur et à mesure Il y a 10 points, du coup, on va lire juste les titres, hein, comme ça. De toute façon, ça sert à rien, c'est du bullshit, hein, la plupart du temps, dans les points comme ça. La poursuite de la transformation du pays pour faire face aux défis qu'il traverse et aux dangers qui le guettent. Ou ouais, alors ça, c'est très euh, sécuritaire, quand même. Bon, on est à droite, hein Hein On est à droite. Les générateurs automatiques de texte comme celui-là, c'est pas possible. <laughs> Je sais pas s'il y en a, mais s'il y en a pas, faudrait les créer ce <laughs> serait énorme. dommage qu'on puisse remplacer les mots par via. On puisse remplacer les mots via point de chaîne pour remplacer bleu par vert. <laughs> c'est vert. <laughs> non, bah non, c'est trop bleu pour qu'on mette du vert à la fois à la place. Euh, bienvenue it's a it's a euh, c'est vraiment philippe 2027 ce site. <laughs> c'est ça. C'est pas neutre, la cohésion entre et et la cult autour de l'histoire et de la culture, c'est pas neutre, effectivement. Autour de l'histoire et de la culture, c'est genre euh, la France, pays catholique. La liberté comme valeur cardinale de la République. C'est du bleu écolo. <laughs> mais arrêtez avec le bleu <laughs> ouais, mais c'est vrai que c'est quand même vachement bleu. C'est bleu jusque dans le. C'est bleu partout. Ah, il est plus foncé, j'ai l'impression, celui-là. La liberté, donc ça l'a dit, comme -di valeur cardinale de la République. Donc on va pas sortir de la cinquième, hein, ça c'est euh, pas prévu. Euh, ah, on parle de laïcité là, ça m'intéresse. Nous estimons euh, la liberté d'entreprendre et d'échanger garante de l'innovation et du progrès, la liberté de croire ou de ne pas croire dans le cadre fixé par la laïcité. Hein ah, pardon, la liberté de croire ou de ne pas croire. D'accord, dans le cadre fixé par la laïcité. La liberté de s'exprimer, de débattre et de rire. <laughs> ouais, bah ça, c'est sûr, on va rire. Ouais. Comme condition fondamentale à la vie collective, ouais, bah, c'est clair, c'est sympa. L'ordre comme meilleure garantie de la liberté et de la prospérité du pays. Ça fait flipper quand même. L'ordre comme la meilleure garantie de la liberté et de la prospérité du pays. Ça va filer droit, hein, ça je vous le dis. Hein. Moi qui pensais qu'il y avait trois valeurs cardinales dans la République, genre liberté, égalité, fraternité, tout ça. Bah oui, bah là, hein, du... c'est du... bleu grand froid. T'as as, as la liberté, hein, tu l'as là. Euh, bon, après, euh, l'égalité, la fraternité, tu oublies. Mais la liberté, tu l'as, hein, ça c'est sûr. C'est ultra libéral, comme on dit. <laughs> après, on va me dire, ouais, mais tu peux pas me dire ça, c'est pas ultra libéral et tout. Bah, si, quand même, un peu quand même. C'est libéral en tout cas. <laughs> Euh, un humanisme républicain qui fait de l'éducation l'objectif prioritaire de l'effort national. Putain, ça me fait un peu flipper quand même. C'est vraiment à droite, hein, ce truc. Une ambition écologique. Ah bah si quand même, un peu, hein. C'est un bleu vert. <laughs> Pour la France fondée sur les notions de progrès, de sobriété, de durabilité. Nous, nous croyons que cette ambition passe par l'instauration. C'est marrant parce que là, ils ont pas mis. Là, ils ont mis une phrase. Et là, ils ont mis un. Ils ont mis trois mots. Et la phrase après. Pourquoi? parce que le paragraphe paraissait sans doute trop petit par rapport à... au reste. <laughs> Il n'y avait que deux lignes sur l'écologie. Donc ils se sont dit, ouais, deux lignes sur l'écologie, ça ne passe pas, mais trois, ça passe. <laughs> la préservation de la biodiversité, un investissement accru dans l'excellence des filières énergétiques et agricoles françaises. Ouh là là. La justice sociale, ah oui, justice sociale aussi, Tiens, comme fondement du pacte républicain qui impose un équilibre absolu entre droit et devoir. Ouh. Nous croyons que la solidarité nationale est une chance, une nécessité dans la contrepartie et la revalorisation et, le, et du mérite. La revalorisation à la revalorisation du travail et du mérite comme pilier d'une société prospère et digne, l'organisation décentralisée de la République avec une répartition plus efficace des compétences entre les collectivités au rôle clarifié euh, et un État renforcé sur ses prérogatives régaliennes. Comment tu peux créer un parti avec un texte autant à droite tout en disant non mais on reste pro Macron majorité. Bah Macron est plutôt à droite, il me semble, mais euh, bon. La valeur travail, l'histoire familiale et l'unité de la patrie. Enfin, c'est ouais, travail, euh, famille, patrie. Ouais, euh... Ça fait penser à quelque chose, ça, dit ah <laughs> L'indépendance nationale dans un monde dangereux, hein, ça, bah, ça va gratter l'électorat du Front National, mais euh, Front National aisé, ce qui est assez paradoxal, vu que Front National, c'est plutôt un électorat qui est plutôt pauvre, malheureusement. Euh, enfin, malheureusement. On va dire que le Front National est allé chercher euh, les populations euh, pas aisées, justement. Et, euh, et là, euh, Horizon, quand même, ça reste quand même la droite élitiste. L'indépendance hein. nationale dans un monde dangereux et instable. Donc euh, là, on est sur, euh, sur une volonté de nationalisme un peu, un peu poussée. La France doit demeurer capable de défendre elle-même ses intérêts nationaux. Oh, putain. Et le projet européen Ah, quand même Ah bah, parce que quand même, c'est pas trop... C'est pas paradoxal, du coup, le 9 et le 10, là. Comme la voie de la prospérité de la souveraineté de la France. Ah oui, d'accord. Donc, le, le projet européen, oui, mais la France d'abord. <laughs> euh, plus respectueuse du principe de subsidiarité, voilà, c'est ça. C'est euh, l'Europe, oui, d'accord, mais, euh, bon, euh, la France d'abord. L'intérêt collectif des Européens et des choix fondamentaux du peuple français. Donc, on est, on est bien sûr, euh, sur ce que je viens de dire. Euh, le FNZ a déjà son candidat, effectivement. Il s'appelle... Euh, Florian Philippot. <laughs> Emmanuel Macron. Non, c'est pas ça. Euh, mais ça drague les gens qui se croient aisés et prêts à écraser les autres. Oui, oui, oui. Nous combattons. Ah, qu'est-ce qu'on combat Donc on a les 10 points qu'on soutient, nous défendons, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils combattent, ces gens-là Les ennemis de la laïcité. Hmm. C'est marrant quand même que la droite se revendique comme combattante de la laïcité alors que c'était elle qui la défendait. Donc je vous disais hein, tout à l'heure, j'ai lu, euh, lu, ce bouquin -là, euh, la laïcité en France et euh, ça explique bien qu'au départ c'était un principe euh, laïcité, c'était un principe qui était défendu plutôt par la gauche, qui s'est fait. Euh, prendre par la droite et est euh, complètement déformé par la droite et, euh, et c'est assez euh, assez pitoyable en fait ce, qu ce que c'est devenu la laïcité en France aujourd'hui alors que euh, à la base c'était quand même un concept très noble et, euh, et très très intéressant là maintenant c'est devenu un peu euh, tout n'importe quoi euh, donc euh, les ennemis de la laïcité qui refusent de se soumettre à ce cadre de liberté de neutralité au nom d'une vision dévoyée de la liberté de culte et de multiculturalisme euh, bah là, là déjà rien que là on est sur une, sur une contradiction totale avec le principe même de la laïcité. La laïcité, c'est justement la liberté et la neutralité, d'accord, mais euh, la liberté de culte, oui, aussi. Et euh, tout en ayant la liberté de blasphème, bien sûr, mais la liberté de culte et euh, la liberté de culture. Donc euh, c'est euh, liberté culturelle et liberté culturelle, c'est ça la laïcité. C'est-à-dire qu'on va respecter les cultures des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va les empêcher de, de, de pratiquer. Ça veut dire qu'ils peuvent pratiquer tant qu'ils ne vont pas euh, vous imposer euh, leur pratique. Donc c'est ça la laïcité à proprement parler. Maintenant, là, là ce, que, ce, que, ce que la droite propose là, c'est juste de dire, euh, non, mais en fait, euh, <laughs> ça va cinq minutes à hein, votre religion, mais vous allez arrêter maintenant. Donc euh, on va interdire toutes les religions, et surtout celles qui ne sont pas la nôtre. Voilà, c'est ça ce, que, ce, que, ce qui est défendu là-dessus, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est que, que là, on va dans, dans, dans une direction qui n'est pas vraiment souhaitable et pas acceptable dans un pays qui se dit laïque. Nous défendons, nous combattons, ouais, c'est très guerrier comme, euh, comme, euh, comme langage. Les extrêmes de tout bord qui dressent les Français les uns contre les autres en agitant les peurs des, et les mensonges, bah, c'est pas ce que vous faites. Les démagogues qui abaissent la controverse démocratique à un jeu d'invective et bannissent la raison à la mesure du débat public, bah, pareil, c'est ce que vous faites. Les fossoyeurs de l'universalisme républicain qui enferment l'individu dans les identités réductrices et et sème les ferments de la division, de l'inégalité. C'est dingue, hein j'ai l'impression qu'ils se combattent eux-mêmes. <laughs> le partisan de la décroissance, ruineuse pour le pays et impuissante à répondre à l'urgence climatique. Ouais. L'illusion de l'argent public magique qui admet que l'État redistribue une richesse qu'il n'a pas en faisant peser le poids de notre mode de vie d'aujourd'hui sur les générations futures. Ouais. Esprit de la défaite, de repentance et de honte qui méprise la grandeur du récit national et conduit à nier l'impossibilité d'une culture et d'une histoire commune qui font la fierté française, la facilité de l'immobilisme qui voit dans toutes les formes, euh, dans toute forme, un danger et accepte le déclin collectif au nom du confort individuel, le déclin collectif. Ça, j'aime pas. Quand ces mots-là sont utilisés, ça me, ça me j'aime pas du tout. Le déclin collectif, c'est euh, des mots qui, sont c'est qui ensemble dans ce cadre-là sont utilisés contre euh, l'immigration et contre euh, l'étranger globalement. La tentation antidémocratique qui préfère la voie de la violence et de l'émeute à l'accomplissement des devoirs élémentaires et du citoyen. <laughs> Manifester, non. Par contre, vous allez voter. <laughs> Bienvenue, docteur sanguin. C'est terrible quand la moitié de tes combats sont contre toi-même. <laughs> quoi qu'il en coûte, ouais, c'est ça, quoi qu'il en coûte. Ah, les naïfs et les populistes de l'immigration qui estiment que la France est en situation d'accueillir toute la misère du monde, ou à l'inverse, croire que le pays peut vivre en autarcie derrière des frontières étanches. Donc ils sont à la fois contre l'accueil de, de n'importe quelle population euh, étrangère, du coup, et en même temps contre euh, la, le nationalisme euh, euh, renforcé et la fermeture des frontières. C'est du en même temps, en fait. <laughs> c'est en même temps propre à Macron, mais du coup euh, décliné dans Horizon. Grand débat, oui, grève, non. Ouais, c'est ça. Signer le manifeste. Donc on peut signer, mais on va pas signer. Hein. Ça ne m'intéresse pas euh, perso de signer. Alors je l'aurais fait hier. Hier, j'ai adhéré à plusieurs partis politiques pour voir comment est-ce que ça a fonctionné. Je pense que pour rejoindre le, Horizon, c'est un peu comme pour rejoindre La République en marche. Il suffit de donner son mail et, euh, et c'est tout. Voilà. Effectivement, c'est tout. C'est juste une, euh, une coquille vide, hein, euh, Horizon. C'est pas vraiment un parti politique. Et là on a le droit, on a le droit, enfin, on a l'accès euh, au statut de Horizon directement sur le site du parti. Donc ça c'est intéressant. Je, je voulais vous montrer aussi parce que la dernière fois que je suis allée lire les statuts du Parti pirate, c'était pas encore le cas. Là le, le site a changé pour le parti pirate et maintenant les statuts sont vraiment directement sur le, sur le site. C'est plus sur un wiki à côté, c'est euh, sur le site. Donc, euh, donc voilà. Ça c'est fait. Euh, c'est un mouvement. <laughs> ouais, bah, on, va, on va en parler. Alors, combien de ça fait Oh, c'est assez rapide en fait. Oui, bah ça va, ça va être. Euh, on va le faire. On va le faire. On va le faire jusqu'à 20h30. Si on digresse pas trop, ça devrait le faire. On aura même peut-être un peu le temps de parler de 2-3 trucs en, entre temps. On va peut-être avoir le temps de digresser un peu. Alors, hm, <coughs> hm, <coughs> Principes généraux. Titre 1. Article 1 Constitution. Il est créé entre les adhérents au présent statut un parti politique. Donc c'est un parti politique quand même. C'est un parti politique. De prennent sur cinq. Pourquoi Pourquoi T'as mal à la tête déjà, Perceval. C'est pas très. Et c'est pas très sympa. Euh, il est créé alors, un parti politique. Donc on est sur un parti politique dénommé Horizon. Si après désigné le parti, régi par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Sa durée est illimitée. Donc on est sur un parti politique avec une durée illimitée. Vous vous souvenez, euh, la France Insoumise, on était sur un mouvement avec une durée illimitée qui était l'élection de euh, 2017. Donc euh, la France Insoumise n'existe plus officiellement. Mais officieusement, bon, bah, <laughs> ça existe toujours plus ou moins. Euh, le, le, le Mélenchon est un, est un homme flou. Et quand c'est flou, <laughs> c'est qu'il y a un loup, comme disait Martine. <laughs> c'est un message de C'est vrai. Objet. Le parti est un... Le parti, donc horizon, on est d'accord. Hein le parti étant le mot euh, qui désigne le horizon. Donc on est bien sur un, sur un parti. Le parti est un parti politique qui concourt à l'expression du suffrage universel au sens de l'article 4 de la Constitution. On l'avait vu aussi dans un précédent live. Le, le, la Constitution décrit le fonctionnement de la République française et, en son, en son sein, enfin, son, sur son texte, euh, sur le texte de la Constitution, il est écrit que les partis concourent à l'expression du suffrage universel, enfin à la vie euh, du, politique euh, du pays. Le mélange de Schrödinger. <laughs> c ça. C tu sais pas si c'est un parti ou pas. <laughs> Tant que t'as pas ouvert la boîte, tu, tu sais pas. Je... Je, vais... je vais en profiter pour boire un coup pendant que je rigole. Valeur, article 3. Valeur, le parti affirme. J'ai bien le parti avec un P majuscule. Le parti affirme solennellement son attachement à sa charte des valeurs. Donc, on vient de lire la charte des valeurs, ça tombe bien. Donc, ils sont pour et contre <laughs> à la fois tout ce qu'ils défendent, qu défendent et combattent des choses qu'eux-mêmes devraient, euh, devraient s'appliquer à eux-mêmes. Mais bon. Le, parti, euh, le siège du parti donc, euh, est fixé au 60 rue François 1er, 75008, Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du bureau. On va aller regarder euh, vite fait ce que c'est que cette rue euh, François 1er. Je pense qu'on est sur un quartier un peu riche. Immeuble Haussmannien, il y a des chances. Hein voilà. Bon, bah voilà. Immeuble euh, a priori, ils sont là. <laughs> voilà. Ils ont loué le local. <laughs> euh, et donc, on est sur un immeuble Haussmannien à côté de l'avenue Georges V. Donc, à côté de, de l'Elysée, finalement. Juste à côté de l'Elysée. Hein, on n'est pas loin, là le de Triomphe est là, le Palais de l'Élysée est là. Voilà. Est... On est bien situé là, hein Ouh, on est bien. On s'est trouvé un petit siège sympa avec une belle vitrine euh, qui donne sur la rue. C'est bien situé, hein C'est joliment situé, n'est-ce pas <laughs> C'est pour pouvoir aller rapidement au bureau. Ouais, T'as raison adhérent le parti alors peut adhérer au parti toute personne physique qui s'engageant à respecter son objet et ses valeurs ses statuts et son règlement intérieur a effectué une adhésion individuelle et a quitté une cotisation annuelle selon la procédure fixée par le règlement intérieur l'appartenance des adhérents à d'autres formations politiques au sens de l'article 4 de la constitution est autorisée selon les conditions définies par le règlement intérieur la qualité d'adhérent se perd par la démission la radiation ou l'exclusion prononcée dans les conditions définies par le règlement intérieur donc euh... <laughs> <laughs> Vous êtes grave, le panneau de location n'est pas bleu. Euh, donc là, on est, sur un, euh, on est sur un parti politique, du coup, où on peut effectivement adhérer, euh, a priori, en payant une cotisation annuelle, euh, selon une procédure fixée par le règlement intérieur. Donc on va peut-être aller voir le, le règlement intérieur. <laughs> C'est vrai qu'il n'y a pas la mort, la démission, la radiation, l'exclusion, mais il n'y a pas la, le décès. C'est pas donc les adhérents sont des morts sont toujours adhérents effectivement. Merci Farali pour la précision. <laughs> T'as l'œil. Hein. Euh, moi j'étais plus sur la phrase juste avant qui était l'appartenance des adhérents à d'autres formations politiques au sens de l'article 4 de la Constitution est autorisée selon les conditions définies par le règlement intérieur et aussi sur le fait que euh... A priori, c'est compliqué de rejoindre le, le parti vu qu'il faut payer une cotisation et que là, je vois pas trop, là sur le site qu'on a regardé, euh, alors à moins qu'il faille passer à l'étape d'après et d'abord donner son identité, etc., pour pouvoir après payer une cotisation. Mais euh, j'ai plus l'impression qu'on est sur euh, un parti fantôme et que euh, pour rejoindre finalement le parti au sens propre, euh, ça doit être un peu compliqué et tu dois avoir une sorte de... Alors oui, c'est possible d'adhérer à un autre parti. Euh, mais du coup, tu dois quand même avoir une sorte de sélection à l'entrée. Mais là, oui, l'appartenance la, la constitu... enfin, le, le, est possible. Donc, on peut appartenir à, à Horizon, avec un S, j'ai envie de dire Horizon avec un S, du coup. On peut appartenir à Horizon et au Parti Pirate. On peut appartenir à Horizon et à la France insoumise après c'est on peut pas appartenir à Horizon et à Europe Écologie Les Verts parce que Europe Écologie Les Verts refuse la double adhésion après appartenir à Horizon et au parti pirate c'est un peu contradictoire quand même parce que appartenir au parti pirate être membre du parti pirate c'est s'engager dans une certaine direction être membre d'Horizon ça paraît un peu incompatible après bon euh, voilà vous avez le droit hein, si vous rejoignez Horizon euh, sans s'adhérer adhérer à tout euh, voilà. c'est vous que ça regarde on est d'accord euh... leary dit peut-être que euh, tu es radié automatiquement quand tu meurs c'est vrai c'est fait exprès pour être à la fois LREM et Horizon, ouais, c'est ça, je pense aussi, ouais. C'est juste un parti d'élu, pas forcément un parti de militants. D'accord, tu crois. Du coup, ça veut dire qu'il faut être élu pour être adhérent C'est possible aussi. 4S, euh, <laughs> je, je suis tentée en fait. Juste pour multiplier les étiquettes des soutiens, tu crois C'est possible aussi. C'est possible que ce soit une, une pure communication. C'est possible aussi que ce soit une organisation politique autour d'Edouard Philippe pour dire que qu'Edouard Philippe compte ses soutiens et, et pour voir aussi pour se projeter un peu plus loin, comme on le disait tout à l'heure. C'est aussi tout à fait possible. Titre 2, organisation. Org article 6, organes nationaux. Rien qu'en avoir la possibilité, d'un envie de le faire. Eh <laughs> bien, euh, libre à toi, Flymix, si tu veux adhérer à Horizon en plus du Parti Pirate. <laughs> <laughs> ou de la branche insoumise. Euh, organes nationaux. Les organes nationaux du parti sont l'Assemblée générale, le Conseil national, l'Assemblée des maires, on est bien effectivement sur un parti de maires du coup en hein, priori, et le bureau. L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des adhérents à jour de cotisation. Elle délibère sur l'action générale du parti et adopte des, les résolutions qui lui sont proposées. Elle élit en son sein le président du parti et un collège de membres du Conseil national selon une procédure définie dans le règlement intérieur. Donc c'est l'Assemblée générale qui élit euh, le président du parti et qui désigne aussi un collège de membres qui euh, composera du coup le Conseil national. Donc on est sur une assemblée générale euh, avec l'ensemble des adhérents et après le Conseil national qui est élu par l'Assemblée générale. La question c'est combien de temps, euh, combien de fois se réunit l'Assemblée générale Donc l'Assemblée générale se réunit sur convocation du président au moins une fois tous les trois ans, à tout moment euh, ou à tout moment sur la demande du Conseil national exprimé à la majorité simple de ses membres. Le règlement intérieur définit les modalités d'organisation des débats de l'Assemblée Générale ainsi que les modalités de vote et de représentation par mandat. Donc, on est sur une organisation plutôt euh, très, euh, très, très, très euh, traditionnelle avec euh, une Assemblée Générale alias congrès. Hein, c'est un peu, euh, Assemblée Générale, c'est le, le congrès du coup du parti, comme euh, on avait au Parti Socialiste euh, ou chez les Verts, comme on l'avait vu aussi, ou chez les Républicains d'ailleurs, tous les trois ans. Donc, euh, au minimum tous les trois ans. Il euh, n'y a pas de, de, de régularité plus, plus précise, donc a priori euh, l'assemblée générale se réunit une fois tous les trois ans et pas plus. Alors, à moins que le président décède, et dans ce cas-là, il y aura peut-être une assemblée générale plus, euh, plus, <laughs> plus proche qui, se, qui aurait lieu, ou que j'imagine le président sorte de son propre parti. Mais bon, le président étant Édouard euh, Philippe, ce serait compliqué qu'il s'en aille. Voilà. Euh, Est-ce qu'on gagne une carte d'adhésion <laughs> Je sens que ça va être une carte collector dans le futur. La carte, tu veux dire la carte horizon Ouais, c'est possible. Euh, un parti de maire de France, ouais. Ouais, ouais. bah ouais. Conseil national. Donc le Conseil national, du coup, on a vu qui est élu par l'Assemblée générale euh, tous les trois ans. Euh, donc il est élu tous les trois ans. Il définit les grandes orientations stratégiques et politiques du parti. Il est constitué, du coup, des adhérents ayant la qualité de député, sénateur, député européen, de membres du gouvernement en exercice, d'anciens présidents de la République, d'anciens premiers ministres, présidents du conseil régional, présidents du conseil départemental, présidents de PCI, plus de 100 euh, 000 habitants, euh, et des membres de l'Assemblée des maires, du coup, d'un collège de 50 délégués municipaux, sélectionnés selon une procédure définie par le règlement intérieur. Ça a l'air intéressant ça. D'un collège de 50 personnes physiques élues par l'Assemblée générale, dont on a parlé tout à l'heure, selon une procédure dé définie par le règlement intérieur. De 5 cinq personnalités qualifiées sur proposition du président du parti et désignées selon des conditions définies par le, bureau, euh, par le règlement intérieur et des membres du bureau. Donc le Conseil national, du coup, c'est à la fois les élus, tous les élus, euh, des représentants des élus municipaux, euh, donc les élus nationaux et euh, présidents et euh, grands élus, des représentants des élus municipaux, euh, la totalité des maires, du coup, euh, 50 personnes physiques élues par l'Assemblée générale, on a, et euh, cinq personnes désignées par le président, et des membres du bureau. D'accord. Donc le bureau n'est pas indépendant du Conseil national. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Du coup, le bureau est membre du Conseil national. Le Conseil national est présidé par un membre désigné en son sein par le bureau, sur proposition du président du parti. Donc c'est le président qui décide. Euh, du nom du président du Conseil national, donc le président du parti. Le Conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, ou à tout moment à la demande des deux tiers au moins de ses membres. Donc ça, c'est un peu une disposition normale. Euh, mais du coup, c'est au moins une fois par an. Donc c'est un conseil d'administration qui a une régularité d'une fois par an. C'est assez peu. Après, ça peut être plus souvent, hein, bien sûr, mais euh, parce que c'est au moins une fois par an. Mais c'est finalement pas euh, quelque chose qui se réunit souvent. Le Conseil national peut, lors de chaque séance du bureau, lui soumettre des propositions sur tout. Sujet intéressant, l'organisation et la vie politique du parti selon les conditions définies dans le règlement intérieur. C'est intéressant, je trouve, comme fonctionnement. Il n'y a vraiment pas de contre-pouvoir. C'est très, très vertical. Ça va dans, dans une direction, quoi. <laughs> <laughs> c'est ça, c'est gaulliste. Ouais, je, je pense qu'on est sur un, est une organisation très, très très traditionnelle et très gaulliste. R républicaine au sens propre en tout cas. Donc l'assemblée des maires en métropole comme en outre-mer dans les espaces ruraux euh, comme dans les zones urbaines, les maires donnent chaque jour à la République un visage concret et accessible. Là, là on est sur, euh, sur une prose là euh, qui est un peu comme euh, le... c'est un peu comme les statuts du Parti communiste, vous avez vu là, on, on revient sur un truc un peu euh, politique en métropole comme en outre dans les espaces ruraux comme dans les zones urbaines les maires donnent chaque jour à la république un visage concret et accessible tout en assurant des missions essentielles faire vivre nos communes au quotidien animer la démocratie locale et donner une réalité tangible et enracinée à nos institutions le parti entend contribuer à la valorisation et à l'expression de celles et ceux qui s'engagent pour la collectivité en leur proposant une instance dédiée l'assemblée des maires c'est beau hein c'est très beau c'est très beau euh, même si euh, c'est très creux mais c'est très beau l'assemblée des maires regroupe l'ensemble des maires adhérents au parti et à jour de cotisation elle participe à la réflexion et à l'expression du parti sur les questions liées à la démocratie et à l'action locale elle conseille le bureau sur ses enjeux en adoptant des avis et peut soumettre à l'assemblée générale des résolutions dans les conditions définies par le règlement intérieur donc euh, c'est bien joli hein, mais euh, elle peut soumettre à l'assemblée euh, elle participe à la réflexion et à l'expression du parti sur les questions liées à la démocratie elle conseille le bureau euh, en adoptant des avis, donc elle peut donner un avis, et elle peut soumettre à l'Assemblée générale, donc une fois tous les trois ans, des résolutions dans les conditions définies par le règlement intérieur, on s'en fout. Euh, L'Assemblée des maires est présidée par le président de l'Assemblée des maires, élu par ses membres au scrutin uninominal à deux tours. <laughs> Pourquoi faire autrement, hein? <laughs> Pourquoi pas euh, Pour une durée de trois ans. Et selon une procédure définie dans le règlement intérieur, le président de l'Assemblée des maires obtient de droit la qualité de vice-président du parti pour la durée de son mandat. Donc euh, c'est toujours très très hiérarchique. L'Assemblée des maires se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an ou à tout moment à la demande du bureau exprimé à la majorité simple de ses membres. Le règlement intérieur définit les modalités d'organisation des débats et de fonctionnement de l'Assemblée des maires ainsi que les modalités de vote et de représentation par mandat. D'accord, 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 d'accord. Intéressant euh, ce, ce. Non, en fait, ça n'est pas. C'est pas du tout intéressant. On est d'accord. On est sur un modèle très, très. Euh... J'aime bien parce qu'ils ont sorti euh, les statuts d'horizon en disant Ouais, regardez, nos statuts, ils sont super et tout. Et en fait, ça pas vraiment grand-chose d'intéressant. Il <laughs> est où la nouvelle offre politique Il ben, y en a pas. Je vois pas vraiment. Hein. C'est. C'est pas. Enfin, c'est. Je... Enfin, les statuts des républicains, euh, c'est les mêmes. La République en marche, c'est. C'est pareil, euh, là on est sur un truc très très. Euh, je ne vois pas la nouvelle offre, euh, je ne vois pas non plus. Il hein, n'y a, a rien de nouveau là-dedans. Le bureau est l'instance de direction du parti il est constitué du président du parti, du coup évidemment du président de l'Assemblée des maires en qualité de vice-président du parti du président du Conseil national ça fait beaucoup de présidents quand même. Hein du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints, du trésorier national, du président de la commission nationale d'investiture, de des porte-paroles et de personnalités qualifiées nommées sur proposition du président du parti dans les conditions définies par le règlement intérieur. Donc on est, je vais euh, parier sur le fait que les membres du bureau sont nommés par le président du parti. Le bureau veille au bon fonctionnement du parti. Il prend dans l'intervalle des réunions de l'assemblée générale toutes les décisions nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. <laughs> Le bureau fixe le budget et les orientations financières du parti, en arrêtant notamment le montant des cotisations annuelles. Il peut être amené à confirmer des investitures délivrées par la Commission nationale d'investitures dans les conditions fixées par l'article 15. Donc, en fait, c'est le bureau qui décide de tout. Le bureau est présidé par le président du parti et son secrétariat est assuré par le secrétaire général du parti. Le bureau soumet pour adoption euh, des programmes, les programmes, déclarations et projets à l'Assemblée générale lorsqu'il concerne la gestion du parti ou au Conseil national lorsqu'il concerne l'organisation et la vie politique du parti, sous réserve des pouvoirs d'urgence du président. Il y a des urgences. Ça, j'aime bien les, les systèmes d'urgence dans les partis politiques, c'est génial. Le bureau est titulaire du pouvoir disciplinaire. Il peut déléguer ce pouvoir à une commission de discipline dont l'organisation et les fonctionnements sont précisés par le règlement intérieur. Les, le règlement intérieur définit les modalités d'organisation des débats au bureau, ainsi que les modalités de vote et de représentation par mandat. Le bureau se réunit, se réunit au, moins, pardon, au moins une fois, si, au moins six fois, pardon. Six fois. D'accord, donc c'est une fois tous les deux mois, six fois par an sur convocation du président du parti ou à tout moment à la demande du tiers au moins de ses membres. Ces délibérations sont prises à la majorité simple, en présence d'au moins la moitié de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du bureau est fixée, au cours de laquelle le bureau délibère sans condition de quorum. Enquête partage égale des voix, celle du président du parti est prépondérante. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'il est nommé euh, le bureau. Alors si, il y a le président du parti, du coup, qui est élu euh, par l'Assemblée générale, euh, les présidents, le président de l'Assemblée des maires qui est élu par l'Assemblée des maires, le président du Conseil national qui est euh, élu par. Euh, qui est nommé par le président euh, du parti. Je crois. Euh, je crois, hein, on est d'accord, on est parti sur ça. Hein. Par le bureau, pardon, il est désigné par le bureau, le président du Conseil national salut Flymic euh, c'est la, la république en marche en assumant d'être de droite oui c'est peut-être ça le nouveau peut-être ça la, la nouveauté euh, du coup on a euh, on a vu machin euh, et donc du coup le président est, est nommé par euh, le président du pardon le président du conseil national j'étais là euh, il est nommé par euh, euh, le Bureau. Donc c'est, euh, on est sur un, le président du Conseil national qui est donc là. On est sur un, sur un truc circulaire. Hein. On est d'accord que là, on est dans un cercle. Euh, il est nommé par le bureau qui est, euh, qui contient du coup le président du Conseil national. Ah, ça c'est des trucs que je comprends pas très bien. C'est euh, comment est-ce qu'on peut atteindre un cercle comme ça Comment est-ce qu'on peut fonctionner avec un cercle comme ça où on a euh, le président du Conseil national qui est nommé par le bureau et dans lequel il y a le président du Conseil national. Bon, c'est euh, le truc un peu bizarre. Le secrétaire général et secrétaire généraux adjoints, le trésorier national, euh, le président de la Commission nationale d'investiture, les porte-paroles et personnalités qualifiées nommées. Alors, tout cela, là, euh, sont euh, nommés, on ne sait pas comment. Et les personnalités qualifiées sont nommées sur proposition du président du parti. Donc, il euh, n'y a pas de nombre de personnalités qualifiées. Donc, le président du parti peut décider de nommer euh, autant, de autant de personnalités qualifiées qu'il le souhaite pour avoir euh, l'ascendance sur tout le reste sur le bureau. Pourquoi pas Donc, là, on est vraiment sur un truc vraiment très, euh, <laughs> encore une fois, euh, verrouillé euh, par le président du parti. Et comme le président du parti est a priori les fondateurs du parti, donc Edouard Philippe, est, on est sur un parti, euh, qui, un parti personnel. Donc, les, les gens qui sont membres de ce parti sont des suiveurs. Désolée. Désolé. La nouvelle offre politique, je ne la vois pas du tout là. Le président du parti est élu au scrutin uninominal à deux tours. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi autrement Pourquoi est-ce qu'on ferait autrement Pour un mandat de cinq ans par l'Assemblée Générale et selon une procédure définie dans le règlement intérieur. Il veille au respect des orientations politiques du parti, qu'il représente dans ses relations avec les autres formations politiques. Les suiveurs, ouais. Tu ne vois pas le bleu. <laughs> si c'est bleu <laughs> On a vu que c'était bleu. Les convoque et préside l'Assemblée générale, le bureau, le Conseil national, fixe leur ordre du jour et veille à l'exécution. Donc il gère tout. Il gère tout. Hein. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui préside, qui convoque. Il fait tout. Il représente le parti en justice et dans tous les actes de la vie civile. Donc c'est lui le chef, hein, toujours. Il nomme le secrétaire général. Voilà, on est là ça c'est ce que je savais pas ce qui, si c'était nommé par qui c'était nommé ben voilà je vous avais dit hein, le bureau est nommé par le président j'avais deviné juste on est là il nomme le secrétaire général le trésorier national les porte paroles les secrétaires généraux adjoints les généraux adjoints et les personnalités qualifiées au sens de l'article 10 et peut mettre fin à leur fonction à tout moment sur simple notification <laughs> bon écoute t'as merdé là l'étude dégage <laughs> voilà c'est <'est rire> c'est c'est Edouard Philippe le chef c'est Edouard Philippe je vais Là, c'est alors j'aime bien parce que j'aime bien quand euh, on nous donne des statuts comme ça à lire, c'est euh, que euh, on, nous, euh, on nous vend quelque chose de nouveau, de démocratique, de merveilleux, de machin. Puis finalement, euh, là, on est sur un truc tellement euh... c'est tellement vertical, c'est tellement euh... Tellement totalitaire que c'en est limite euh, décevant, enfin oui, c'est décevant. Je suis pas déçue parce que je m'attendais pas à grand chose, mais, euh, mais bon, quand même un peu déçue quand même. En cas d'urgence, et notamment en période électorale, le président peut user du pouvoir de sanction statutaire. Bon, le président, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, euh, il peut euh, notifier les gens pour les virer, euh, il peut virer les gens du parti, il euh, n'y a pas de y a pas de soucis. Lorsque le président démissionne ou se trouve en incapacité physique permanente d'exercer ses fonctions, le vice-président le supplée et convoque l'Assemblée Générale dans un délai de trois mois pour procéder à l'élection du nouveau président. <laughs> mais ça n'arrivera pas hein C'est juste qu'il crève, en fait. C'est juste... Euh, démissionne enfin, Comment est-ce qu'un mec va démissionner enfin, Je ne vois pas trop Edouard Philippe démissionner son propre parti, mais bon, pourquoi pas. Tu crées un monstre et puis tu le laisses être euh, <laughs> un monstre c'est pas vraiment un monstre quand c'est quelque chose de normal. C'est pas à défendre les corps intermédiaires en effet. il bah, n'y a pas de corps intermédiaires, là il y a le président et il y a les autres. <laughs> tu as vu des corps intermédiaires toi Moi, je les ai pas vus, hein, j'avoue. Organisation locale, article 12. L'engagement politique est une démarche citoyenne, là on on revient dans la prose. Alors, L'engagement politique est une démarche citoyenne individuelle qui s'accomplit dans une action collective au service du pays. C'est une volonté de débattre, de se retrouver, de créer des liens, c'est l'envie de porter des idées et de défendre un projet construit en commun. C'est un engagement qui débute souvent au niveau local par un enracinement dans une commune avec sa culture, son histoire, son héritage. Donc je vois pas trop ce qu'il y a de commun. <laughs> C'est le président qui décide, donc je ne vois pas trop ce qu'il y a de commun là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Alors, admettons. Le parti entend s'appuyer sur cette action militante locale et consacrer son importance pour la vie démocratique nationale. Le parti est ainsi structuré sur la base de comités municipaux constitués à l'échelle de la commune. Une commune ne peut avoir qu'un seul comité municipal. Donc là, on revient sur les statuts. Une commune peut avoir, ne peut avoir qu'un seul euh, comité municipal. Un comité municipal peut, sur décision du bureau et dans des conditions définies dans le règlement intérieur, rassembler plusieurs communes. Donc c'est le bureau qui décide euh, de euh, donc il y a une, un, un comité municipal par commune, et c'est le bureau qui décide de l'existence ou non euh, du comité municipal et de euh, la façon dont ils peuvent s'organiser euh, dans différentes communes. Bureau, donc le bureau, c'est le président qui nomme tous les membres du bureau. Donc on est, on est bien sur un truc très, très verrouillé. Chaque comité municipal est coordonné par un délégué municipal, nommé. Par le bureau du coup selon une procédure définie par le règlement intérieur tout tout, tout passe par le bureau hein. on est vraiment sur un truc très, très 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 hiérarchique très vertical les délégués municipaux disposent dispose d'un collège euh, au sein du conseil national dont le nombre de membres est défini à l'article 8 les euh, mm, mm, mm. les délé le délégué euh, municipal est révocable à tout moment sur simple décision une édification du bureau <laughs> Moi, bon, toi t'as merdé, tu dégages. Allez, toi tu dégages. Vous vous souvenez de, de Je vais vous le montrer parce que je, je... c'est dans Malcolm. C'est dans Malcolm et c'est euh, tu crèves. C'est euh, c'est celui c'est celui-là. Toi tu vis, toi tu crèves. Juste, vous entendez un, hein, ouais. Je... Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hé hey, Qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens Je les ai tous fusillés Ah. <laughs> tu vois, mon fils, peut-être bien que nous avons. Silence Emparez-vous de lui « Écoute, Doui. je crois qu'il est temps que tu ailles te coucher. Allez, en avant, marche !»« Non, arrête, papa Tu me dis minutes devant mes propres trous !» Voilà. C'est parce que j'ai trouvé ça pas mal. Bienvenue, Nemes 25. Euh, je, oui, je, je trouve cette, cette série excellente et euh, ce personnage passionnant de, que Doui euh, Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. <laughs> ben, C'est un peu ça, l'horizon, en fait. C'est un peu ça. En cas de non-respect des statuts et du règlement intérieur, le bureau peut décider la dissolution d'un comité municipal. Voilà, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toujours un plaisir, cet extrait, je suis bien d'accord. Le règlement intérieur précise le cadre et les modalités de l'organisation des comités municipaux. Euh, alors, le secrétaire général euh, anime la vie quotidienne du parti et veille à son organisation. Il présente chaque année le rapport d'activité du parti au bureau. Il peut être assisté de secrétaires généraux adjoints. On rappelle que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont tous nommés par. Le président. Le trésorier national, lui aussi nommé par le président, du coup, il est responsable de la gestion des fonds du parti devant le bureau et en rencontre annuellement devant lui. Rencontre, pardon, rencontre annuellement devant lui. Il élabore le projet euh, du, bureau, du budget du parti qui est soumis pour, ad pour adoption au bureau. À la fin de chaque exercice, le trésorier national présente les comptes certifiés du parti devant le bureau avant leur remise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Le trésorier national peut être mandaté par le bureau pour engager au nom du parti toute négociation au profit du parti ou de ses candidats notamment en ce qui concerne les cautions de prêts ou lignes de crédit servant à financer les élections locales ou nationales. Pour les besoins euh, de la mise en œuvre de ces attributions, le Trésorier national peut mettre en place des délégations de pouvoir et de signature. Dictature avec un conseil, certes, mais quand même. Bah, dictature, oui, bien sûr. Enfin, est, on est sur un, sur un parti avec une organisation euh, complètement totalitaire. Donc oui, de fait. <laughs> c c'est dictatorial. Oui, mais enfin euh, de fait, non, ça pourrait ne pas être dictatorial, c'est totalitaire quoi, c'est une organisation où euh, le chef décide de tout, le chef décide de tout et le chef décide de tout au final. Chef contrôle, le chef contrôle tout et tout est verrouillé par le chef. Commission nationale d'investiture. La commission nationale d'investiture est chargée d'instruire les candidatures du parti aux élections européennes, nationales, régionales, départementales et municipales. Donc, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises dans les précédentes, euh, précédentes émissions de euh, Je vais vous faire aimer les statuts, trois petits points. <laughs> Euh, je vous avais raconté le principe que euh, dans la plupart des partis politiques, le euh, <laughs> chef fera en sorte que tu sois d'accord. Ouais, si tu c'était pas d'accord, c'est pareil, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, donc, je vous avais raconté que dans la plupart des partis politiques, il y a ce qu'on appelle une commission d'investiture ou euh, commission électorale ou euh, commission nationale d'investiture, etc. Donc, ça, ça existe dans la plupart des partis politiques. Nous, on l'a pas au Parti Pirate, on a pris le parti de ne pas avoir ce genre de commission d'investiture, ou en tout cas pas dans les statuts. On a décidé que ce serait géré par le biais d'équipages euh, euh, ou de l'Assemblée permanente, donc de la totalité des membres du Parti Pirate, ou euh, d'équipages qui ont la délégation de l'Assemblée permanente et des équipages dans lesquels tous les pirates peuvent rentrer librement. Ça, c'était important. Donc du coup, pour décider des candidatures, on a, euh, dans la plupart des partis, donc des candidatures aux élections, on a une commission d'investiture qui va, elle, se réunir euh, peut-être plus régulièrement que, le, que les autres organes du parti, finalement, et qui va prendre la décision de qui va représenter le parti politique pour les élections, euh, et donc euh, de verrouiller le plus possible les places euh, qui sont euh, à donner, à distribuer euh, aux différents élus, et de les donner à des personnes qui vont être en capacité de représenter le parti euh, proprement, enfin proprement, de représenter correctement le parti aux élections. Et donc on va donner ces places à des personnes euh, et on va les distribuer en fonction de l'éligibilité localement. Donc on va euh, mettre des personnes qui sont des personnes de confiance de la direction, donc a priori du président à des places éligibles et euh, comme ça on va s'assurer que le parti sera représenté euh, au sein de ces instances internes comme au niveau national par des personnes de confiance du président du parti bien sûr du président du parti et euh, a, a priori bon là du président de la République mais euh, là on est plus sur le président du parti hein. donc le, le, la commission euh Ici, la commission elle est composée du président de l'Assemblée des maires, donc qui est élu par euh, l'Assemblée des maires. Lui, c'est le seul qui n'est pas nommé euh, par le président du parti, hein, vous avez remarqué. Euh, le secrétaire général, lui, qui est nommé par le président du parti, et neuf membres désignés par le bureau, donc le bureau qui est nommé par le président du parti. Donc les neuf membres sont désignés par le bureau qui est nommé par le président du parti, sur proposition du président du parti. Voilà, on est vraiment sur un vase clos, là, c'est euh, vraiment le truc très clos. Euh, on est en cercle clos, hein, tout va bien, on est entre soi, euh, tout va bien. Le président du parti nomme parmi les membres de la commission le président de la commission. Voilà, c'est le président qui nomme le président de la commission. Il n'y a pas une élection au sein de la commission, ça pourrait, hein, mais euh, non, non, c'est le président qui nomme... Attends, il ne faut pas non plus trop pousser. Le, la commission délivre les investitures à la majorité simple en présence d'au moins sept de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission est fixée par le président de la commission au cours de laquelle la commission délibère sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Le président de la, co de la commission ou le secrétaire général peuvent saisir le bureau pour confirmer les investitures des candidats du parti aux élections européennes ou nationales dans les conditions définies par le règlement intérieur et les investitures ainsi accordées s'imposent à l'ensemble des adhérents. Donc, euh, je reviens un petit peu sur, sur ce principe de, euh, euh, de quorum. Je vous avais déjà expliqué, mais euh, ça ne mangera pas de pain de revenir dessus. Euh, le principe d'un quorum, c'est que vous devez avoir au moins 7 de, des membres de la commission. Donc, a priori, la, la commission est composée de 15 membres, je crois, hein, c'est ça. Parce qu'on a 9, euh, 10, 11. Ouais, non, euh, 11 membres. Donc il faut qu'il y ait au moins 7 membres qui, euh, qui soient présents pour euh, que euh, la commission prenne une décision. Euh, donc ça veut dire que euh, ça, c'est le c'est le minimum, c'est le quorum minimum. Sauf que si jamais il euh, n'y a pas le quorum à la, à la réunion qui est convoquée, bah, on en convoque une deuxième où on va reposer la même question. Et là, cette fois-ci, on s'en fout du quorum. Donc finalement, la question du quorum dans ces euh, circonstances-là, elle est pas... Euh, elle est pas utile. On l'a posé là, on s'est dit, bon, on va quand même mettre le quorum, parce qu'il voilà, y a l'histoire de quorum, c'est bien la démocratie, tout ça. Mais euh, on, on va remettre une deuxième fois, euh, une, on, va, on va remettre la possibilité quand même de prendre les décisions sans le quorum avec une minorité des membres euh, dans un second temps. Et ça veut dire aussi que donc là, il n'y a pas de... de alors, peut-être que c'est dans le règlement intérieur, mais a priori, il n'y a pas de délai de convocation. Donc, on, on va convoquer la réunion. Si le quorum n'est pas là, la première convocation, on va reconvoquer la réunion. On peut très bien la reconvoquer dans l'heure qui suit, non, ou, le, ou le lendemain, pourquoi pas. Et on va reconvoquer la réunion une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, on pourra reprendre la même décision sans le quorum, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est des dispositions comme ça qui sont euh, un peu antidémocratiques, euh, anti ou en tout cas pas du tout, euh, pas du tout euh, pertinentes, enfin pas, pas vraiment pertinentes quand on veut faire une organisation démocratique, et euh, pas très respectueuses en tout cas des, des principes de la démocratie manque plus que l'île de la gloire du président écrit par le président lui-même. <laughs> bah oui, <laughs> forcément. Euh, le président de la commission, le secrétaire général peuvent saisir le bureau pour confirmer les investitures des candidats du parti aux élections européennes ou nationales dans les conditions définies par le règlement intérieur. Donc à la fin, c'est quand même le bureau qui décide. Les investitures ainsi accordées s'imposent à l'ensemble des adhérents. Donc voilà, il n'y a pas de décision euh, qui se prenne autre part que qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire les adhérents, fermez votre gueule. Titre 3, discipline, non, parce que euh, tu te rends bien compte que dans un parti où c'est le président qui décide, il va falloir que ça file droit hein, quand même. Procédure disciplinaire. Tout membre du parti peut se voir exposé à une procédure disciplinaire aboutissant à une sanction s'il contrevient au présent statut, à la charte des valeurs ou au règlement intérieur, s'il a enfreint les décisions prises en matière de candidature ou d'investiture pour tout acte ah, pardon pour tous actes ou conduite de nature à porter préjudice aux intérêts du parti. En gros, si t'es pas d'accord avec le président. Tu crèves. Les, les sanctions qui peuvent être prononcées par le pouvoir, on est d'accord qu'il ne va pas tuer les gens, hein, mais euh, mais tu dégages quoi. Les sanctions qui peuvent être prononcées par le pouvoir disciplinaire détenu par le bureau, du coup par le président, sous réserve des pouvoirs d'urgence du président, du coup par le président, sont l'avertissement, la suspension temporaire, l'exclusion définitive. Toute décision de sanction doit faire l'objet de doit faire euh, doit avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire telle que définie dans leur règlement intérieur. Titre 4, ressources financières. Je vais, je vais boire un coup un peu parce que de toute façon on va arriver très vite à la fin de toute façon je pense. C'est assez rapide hein, la lecture de statut. Une fois qu'on a pris le pas finalement, je vous ai déjà expliqué tout un tas de trucs. Donc, euh... On aura peut-être fini. Plutôt que prévu. Hein. Cette fois-ci on aura peut-être fini avant 20h. Les recettes annuelles du parti se composent des dons des personnes physiques autorisées par la loi. Donc on est sur un maximum de 7500 euros par personne par, par, pour tous les partis confondus. Donc si vous avez déjà donné 7500 euros à la République en marche, bah vous ne pouvez plus donner à, à Horizon, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez pas donner trop non plus. Des aides publiques prévues par la loi. Euh, des cotisations, donc les aides publiques c'est euh, les versements d'élus. Alors par contre oui c'est ça, c'est que euh, en tant que personne normale de base, euh, pas élu, commun des mortels, vous moi, euh, le commun des mortels, quoi, vous euh, pouvez donner 7500 euros maximum. Par contre, en tant qu'élu, vous pouvez donner toute votre cotisation euh, annuelle, euh, et ça c'est pas prévu dans les 7500 euros maximum par an. Hein. On est sur du 7500 par an. Donc les aides publiques prévues par la loi, c'est les cotisations. Euh, alors c'est les cotisations. C'est euh, le versement, le reversement des, euh, des euh, cotations, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus comment ça marche, euh, comment ça s'appelle, euh, le versement des cotations de, de, de. enfin, des, des euh, redistributions des, des, des fonds qui sont alloués, enfin, des aides financières qui sont allouées aux partis politiques via le nombre d'élus qu'ils ont au niveau de l'Assemblée nationale et euh, le nombre de voix qu'ils ont eues au niveau des élections législatives. C'est-à-dire que si vous avez 50 députés, enfin 50 candidats qui font plus de 1%, vous obtenez un pourcentage, enfin un, un euro et quelques, je sais plus, c'est un euro, je sais plus combien, c'est un euro 15, un euro 20, je sais plus, par voie euh, pour toutes les voix que vous avez obtenues. Donc euh, par euh, par an, du coup, donc ça fait beaucoup d'argent et euh, les partis politiques sont bien contents d'avoir cette aide financière. Euh, le parti pirate n'en bénéficie pas. Mais il est tout à fait possible qu'Horizon en bénéficie dans enfin, l'année prochaine. Peut-être de Parti Pirate aussi d'ailleurs, hein, on ne sait jamais. Euh, mais voilà, il y a plein de partis politiques qui fonctionnent grâce à ces aides-là, et on est sur, euh, sur des sommes qui sont assez énormes, euh, qui, sont, qui sont de toute façon plus grosses que le budget annuel du Parti pirate. Euh, mais voilà. Des cotisations autorisées par la loi versées par les membres adhérents dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Des reversements d'indemnités d'élus, voilà, donc je parlais des indemnités d'élus, euh, des produits de manifestations payantes ou activités de service entrant dans l'objet du parti. <coughs> Genre les bouquins, <laughs> on ouais, va écrire un bouquin, on va le vendre, ça va nous rapporter de la thune, euh, de tout autre produit autorisé par la loi. L'Association nationale de financement, conformément à la loi, le recueil euh, des fonds du parti est confié à une association nationale de financement disposant de l'agrément délivré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Donc, comme tout parti politique, ils ont une association de financement qui est euh, liée et qui leur permet de percevoir les fonds. C'est euh, le cas euh, de toutes les organisations politiques qui sont inscrites au registre des partis politiques. Révision des statuts et règlements intérieurs. Le règlement intérieur définit des principes et modalités du fonctionnement du parti, ainsi que les conditions d'application des présents statuts. Le règlement intérieur est adopté par la majorité simple euh, à la majorité simple par le bureau. Le bureau est seul compétent dans les mêmes conditions pour le réviser. Donc, c'est le bureau qui décide à la fois euh, de euh, comment euh, fonctionne le parti et de euh, comment fonctionne le parti et de comment fonctionne le parti. Toute disposition des statuts peut faire l'objet de précisions dans le règlement intérieur, que cela ait été prévu explicitement ou non dans les dispositions concernées. Le règlement intérieur et les modifications qui y sont apportées sont portées à la connaissance des membres du parti. Modification des statuts Les présents statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale à la majorité simple. <laughs> Oui, enfin, c'est normal. Ça, c'est normal. Disposition finale, dissolution. La dissolution peut être prononcée sur proposition du bureau par l'Assemblée Générale à la majorité absolue. Dans ce cas, l'éventuel actif est dévolu au parti politique qui lui succède, ou à des fois à la structure que le bureau aura désignée. Donc là, ce qui serait logique, c'est qu'une fois qu'on a lu les statuts, on va peut-être aller lire le règlement intérieur, sauf qu'a priori, le règlement intérieur, ben, on ne l'a pas. Et on a les statuts, on a le manifeste, on a rejoindre. On n'a pas de règlement intérieur. Voilà. Donc c'est bien joli, hein, euh, chers amis d'Horizon, euh, de nous donner euh, vos statuts. Et de dire Oh, regardez trop bien on a nos statuts machin c'est génial sauf que si la plupart des, des informations sont dans le règlement intérieur et que le règlement intérieur vous le donnez pas bah vous n'êtes pas mieux que les autres en fait et je dis c'est bien joli de dire regardez nos statuts et tout parce que parce que parce que justement il euh, y a quelques jours il y a quelques jours, je, du coup, j'ai dû aller sur, sur Twitter pour aller regarder. Là, je viens de voir qu'on m'a encore interpellé sur la primaire populaire en me disant oh, Regardez, il faut aller voter pour la primaire populaire. Je pense que. Enfin, juste. <laughs> la primaire populaire. Bref, je, je vais retrouver ce tweet euh, que j'ai liké où euh, les gens étaient contents de euh, voir des statues. Ah, non, je l'ai retweeté, je crois. J'ai fait chouette des statuts. Bougez pas. On m'a dit aussi que c'était pas bien de dire qu'il s'en fout pour une élue socialiste. <laughs> ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Euh, non, 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 c'était pas ça. Ah oh, putain, où est-ce que c'est Je l'ai mis en, j'ai dû liker, je pense, le truc. C'était pour mon anniversaire, hein, c'est ça, ils m'ont offert ça pour mes, pour mes 34 ans. C'était sympa. Euh, je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Désolé, je ne retrouve pas les statues. Le, le, en fait, c'est oui, ce que je voulais vous montrer, alors je dis désolé, je ne retrouve pas, mais vous savez même pas ce que je voulais vous montrer. C'est bien, ça, c'est moi tout craché. Euh, j'ai vu passer la semaine dernière, j'ai vu passer la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, cette semaine sans doute. J'ai vu passer un tweet de quelqu'un de Horizon, justement, qui disait, regardez, nos statuts sont merveilleux, c'est trop bien. Et, euh, et puis, euh, du coup, je me suis dit, ouais, trop bien des statues, on va les lire ensemble à un moment. Et, euh, et euh, effectivement, ils se, ils se gargarisent d'avoir fait des statues, mais il euh, n'y a pas de règlement intérieur avec, donc ça ne sert pas à grand-chose euh, finalement. Euh, donc euh, donc euh, voilà, donc on a lu les statues d'Horizon, qu'est-ce que vous en pensez Bon, à part, en fait, je pense que je sais ce que vous en pensez. <laughs> qu'est-ce que moi j'en pense <laughs> Euh, Qu'est-ce que moi j'en pense euh, C'est euh, une organisation totalitaire avec euh, une, une direction euh, omniprésente, euh, enfin omniprésente, un président omniprésent qui euh, tient son parti euh, d'une main de fer et solide et qui euh, n'a pas euh, vraiment, enfin le renouveau ou la nouvelle offre politique qu'on nous prétendait nous offrir n'est pas là, comme le disait tout à l'heure je ne sais plus qui dans le chat. Et, euh, et là on est sur euh, une offre politique très euh, traditionnelle. Euh, très très vertical, euh, très verrouillé aussi. Où, euh, bah, il faut faire partie de, du, de la caste interne euh, des, des, des membres du parti euh, les plus proches du président pour espérer être euh, un jour dans la direction. Donc on est vraiment sur une organisation qui est construite autour d'une personne, comme la plupart des organisations traditionnelles, des partis traditionnels. Donc euh, voilà, pas de nouveau, pas de nouveauté, euh, rien de nouveau sous le soleil. Euh, horizon, euh, horizon avec un S. Euh, C'est un parti. Euh, dans lequel la direction n'est pas atteignable. <laughs> Comme l'horizon d'ailleurs. <laughs> l'horizon étant un point euh, qu'on ne, qu ne peut pas atteindre à l'horizon. Voilà. Est-ce que. Alors oui, moi non plus, hein, qu'est-ce que t'en dis euh, Je ne suis pas surprise non plus. Ça ne me surprend pas des masses. Voilà. Bref. Je voulais rester avec vous jusqu'à 20h30, mais je me dis que ça fait déjà une heure et demie que je suis avec vous. Est-ce que. Euh, est-ce qu'on est qu reste ensemble jusqu'à 20h30 Et si oui, euh, sous quelle forme Est-ce que je fais une pause Est-ce que qu'on euh, essaye un autre truc est -ce que, Ou sinon, je m'en vais. Et euh, je vous propose qu'on continue à discuter sur Discord. Comme ça, comme ça, on va passer un peu la soirée ensemble. Donc, euh, Discord du, du Parti Pirate, c'est là où je vais aller, là, tout de suite, maintenant. Et, euh, et je, je pense que je vais vous abandonner parce que... Euh, j'ai fait le tour en fait. <laughs> j'ai fait le tour. On a une réunion à 20h30, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas rester plus longtemps de toute façon après 20h30. Mais il est 19h30, donc j'ai encore une heure devant moi. Euh, et je pense que je vais vous abandonner. Par contre je vais faire un petit. Euh, un petit. petit. Qu'est-ce que vous dites de faire un raid Qu'est-ce que ça vous dit, hein Petit raid un petit euh, C'est sûr, c'est... Le mec qui connaît ouais, pas son jeu. De... Ah, moi, je joue, je joue au clavier. Je ouais, euh... suis en train de regarder, je ne être pas, pas trop parler, pas parler te en détail, mais ah, disons si que je, je suis entendez. en train de repenser un peu mon rapport au stream et comment... Il y a mademoiselle Sony qui est en direct et qui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Comment gérer sa tristesse on parle, on parle du film vice-versa. C'est un film mignon. Oh, c'est mignon! Sinon, il y a euh, Red Fanny qui est euh, en, en ligne aussi et qui fait de la musique. A priori, euh, Red Fanny. Euh, un peu de musique et elle va jouer à Bioshock 2. Je sais pas si ça vous intéresse. C'est quoi le lien Discord? C'est. Euh, bah, de rien! <laughs> Ça, ça fonctionne toujours, je crois, ce lien-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qu'est-ce que je peux vous envoyer Il y a des chamillons. Il y a Jean Massier qui est en train de jouer à... à Flight Simulator. Je sais pas si vous voulez aller voir Jean Massier. Je sais pas s'il est pas en direct là en ce moment. Il n'y a pas un truc. C'est pas ce week-end Non, c'est pas ce week-end. Le... Sinon, ce serait marqué partout. Zilan ou je sais pas quoi là. Zi euh, machin. Je sais plus comment ça s'appelle, qu'est-ce que tu dis? C'est très bien, Red Fanny. Bah, très bien. Alors, je vais vous envoyer chez Red Fanny. Alors, et en plus, son train de la hype approche donc c'est très bien. Allons chez Red Fanny. Euh... D'ailleurs, je mettrais peut-être faudrait peut-être que je mette euh... Plop, 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 Red Fanny. Zé Zé ouais, Rator, -rat Bien, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée avec Fanny, chère Red Fanny. Et je vous propose qu'on se retrouve, donc je vous l'ai dit, samedi prochain à 16h sur la chaîne Twitch du Parti Pirate, que j'ai donnée tout à l'heure. Donc c'est Parti Pirate, hein, c'est twitch.tv slash Parti Pirate. Et probablement, je vais essayer de passer un peu plus souvent euh, dans la semaine. Donc euh, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais euh, probablement dimanche prochain, encore une fois, je repasserai. Euh, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir passé cet instant avec moi et avec nous d'ailleurs, et euh, d'être resté pendant cette petite heure et demie euh, ensemble. Et euh, du coup, à très bientôt. Je lance le raid. Je vous laisse te rejoindre. Hop, vous êtes tous dessus, c'est bon. C'est parti alors. Pla là Salut